Pour sensibiliser la population congolaise sur plusieurs sujets de la société, l'ONG Sauti Ngomaya Africa, Sangoa, fait du théâtre participatif. Pour mieux outiller ses acteurs, elle organise depuis le lundi dernier un atelier de formation dans la commune de Bandalungwa. Les directeurs artistiques de Sangoa expliquent en quoi consiste cet art. Le théâtre participatif, c'est une arme de sensibilisation. C'est une forme de théâtre où nous, les comédiens, nous allons jouer ensemble avec notre public. Nous sommes en train d'organiser un atelier qui a commencé depuis lundi, qui prendra fin ce vendredi. Et nous sommes en train d'apprendre aux artistes comment est-ce qu'on peut intervenir, comment est-ce qu'on peut porter en plus dans notre société au travers l'art. La secrétaire administrative de cette structure sans but lucratif présente Sangoa. Sangoa est une organisation sans but lucratif qui a vu le jour depuis 2003. Et nous sommes plus spécialisés dans les théâtres participatifs où nous résolvons les conflits entre les communautés, qui peut y avoir entre les communautés ainsi que les populations ou les individus entre eux. Notre méthode utilisée, c'est le théâtre participatif pour pouvoir remédier à tous ces conflits. Il faudrait noter que Sangoa, avec l'appui de plusieurs partenaires, travaille sur plusieurs projets à Kinshasa et dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la capitale, elle est sur la sensibilisation de la population rurale sur l'implication de la femme dans la gestion des revenus agricoles.